こんにちは。今日2つの目的です。まず、フランス語で冬について話すこと。第2話、フランスの小学生の勉強の仕方、読み方の勉強の仕方を紹介したいと思います。非常に良いと思います。まあ、フランスでフランスの子供はこうやってフランス語の読み方を勉強しています。やってみませんかはい。 目的は次回またそういうね、読書を毎回させてるんですけれども、次回は日本語を使わないでフランス語で、フランスの子供のようなあの授業を受けれるようなことです。ぜひやってみてください。かなり勉強になると思います。はい。じゃあ今日は冬ですね。リベー。で、フランス語の、フランスの読み方、フランスの子供の,あの勉強の仕方はこうです。 まず先生はこれを読んでみてください。自分で間違ってもいいから自分でどこが難しいか読んでみて。で、その後は先生と読んでください。で、先生は、リ i s e s'il v o で、だいたい30秒とかね、1分間。まあ、ここは1分間。1 m i n u t 2ミニュ u ト3ミニュ u トそれもだいたいですからね。あの、これから紹介するのはとても短い、あの、パーツですから、 だいたい30秒ですね。だけど、ーはい、30 s e c o n d 30秒って言ったときに30秒読んでみて、であとは2人で読みます。まあ先生と読むという形になります。それでは、Lisez, s'il vous plaît, 30 seconds e。30 seconds e。 Bien. C'est l'hiver en France. C'est l'hiver. Il fait froid. C'est normal. C'est la saison la plus froide de l'année. Lisez, s'il vous plaît, 30 secondes. Les jours sont plus courts. Les nuits sont plus longues. Les animaux sortent peu. Certains animaux hibernent. Lisez s'il vous plaît 15 secondes. Jugo -bio. D'autres migrent. Beaucoup d'arbres n'ont plus de feuilles. 15 secondes, lisez s'il vous plaît. On y va. Alors, il faut s'habiller avec des vêtements chauds. 20 secondes, lisez s'il vous plaît. Il neige dans certaines régions. Il neige rarement à Marseille. Désolé, il neige rarement à Paris et à Marseille. Mais il neige souvent en montagne.

minade, lisons encore une fois ensemble le texte. C'est l'hiver en France. C'est l'hiver. Il fait froid. C'est normal. C'est la saison la plus froide de l'année. Les jours sont plus courts. Les nuits sont plus longues. Les animaux sortent peu. Certains animaux hibernent. D'autres migrent. Beaucoup d'arbres n'ont plus de feuilles. Alors, il faut s'habiller avec des vêtements chauds. Il neige dans certaines régions. Il neige rarement à Paris et à Marseille. Mais il neige souvent en montagne. Il faut faire attention à la grippe. Il ne faut pas l'attraper. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de souscrire, Toro que, c'était et d'appuyer sur le bouton like, s'il vous plaît. Je vous dis au revoir pour la prochaine leçon. Au revoir.